À Libreville, au Gabon. Depuis le 12 septembre 2024, 168 députés et sénateurs se sont réunis pour examiner, amender et adopter le projet de constitution proposé par le Comité national constitutionnel. Les membres de la constituante composée de l'Assemblée nationale et du Sénat ont travaillé de concert pour produire un texte reflétant les aspirations des Gabonais. Leur mission, redéfinir les contours d'une démocratie renouvelée. Notre Assemblée constituante a eu pour mission exclusive d'apporter un avis motivé sur les 194 articles composant le projet de constitution qui nous a été transmis le 10 septembre 2024. Notre tâche n'a pas été des plus faciles. Les débats très houleux, les tensions qui parfois ont caractérisé nos travaux témoigne indubitablement de la vivacité de notre Assemblée constituante. La clôture officielle et l'adoption définitive du rapport final de ce document clé sera soumis à l'approbation populaire lors d'un référendum prévu en décembre 2024, où les citoyens gabonais auront l'opportunité de se prononcer sur la nouvelle constitution. Le bureau de la constituante devra remettre le plus tôt possible son rapport général des travaux au président de la République et il lui reviendra de faire adopter en conseil de ministres le projet de constitution. Cet exercice parlementaire s'inscrit dans la volonté de bâtir une nouvelle gouvernance fondée sur les recommandations issues du dialogue national et lancée dans un contexte de transition politique. Le référendum de décembre permettra donc au Gabon d'écrire une nouvelle page de son histoire avec l'espoir que cette constitution reflète les aspirations profondes du peuple gabonais avec une gouvernance plus inclusive et démocratique.